Pour chaque séance d'activité physique adaptée, n'oubliez pas les consignes de sécurité. Gérez votre effort. Si besoin de pauses supplémentaires, prenez-en. Pensez à vous hydrater par petites quantités et régulièrement. N'allez pas au-delà de vos capacités et de vos possibilités. Mettez une tenue adaptée. Ne bloquez pas votre respiration. Gardez le dos droit. Et surtout, si vous êtes souffrant, pas de sport. Pour faciliter votre perception de la fatigue, on vous propose de travailler avec l'échelle de Borg. Donc pour qu'une séance soit efficace, il faut si possible être dans le jeûne, c'est-à-dire une séance un peu difficile avec les chiffres 12, 13, 14. En aucun cas, il faut que la séance soit trop difficile, hein, les chiffres 16, 17, 18, 19 et 20. Si une séance est trop facile, c'est mieux que rien du tout, à vous de faire en fonction de vos capacités. L'objectif étant de rester dans une zone de travail efficace, c'est-à-dire un peu difficile. Bonjour, nous allons vous présenter une vidéo qui ressemble au débat et surtout à chacune des séances que nous allons proposer. Nous allons commencer par un mouvement de la cervicale en gauche, déroulé de haut en bas de la tête. Continuons. On va partir pour vous. 5. Le débat de la respiration.
Elle se compose de plusieurs exercices et elle va durer à peu près 30 minutes. On va commencer le premier exercice, il y a 10 ateliers en tout. Le premier exercice, ça sera les exercices de biceps. Biceps se trouve ici, on va venir coller les coudes près du corps et on va venir remonter tout simplement vers le haut. On va partir pour 45 secondes. Attention, top, c'est parti. On garde le dos bien droit, les abdos bien fixes et on souffle bien. Chaque exercice peut être adapté. Clémence a pris des poids de 2 kg, j'ai pris des poids de 1 kg. Vous pouvez également faire cet exercice avec des petites bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'haltère chez vous. On garde bien les épaules bien basses et on souffle bien. On souffle tout, on n'oublie pas de ne pas bloquer sa respiration. Et mettez le rythme que vous voulez, hein, surtout. Allez, il nous reste 5 secondes. Ok, on récupère. On souffle un peu. Donc le prochain mouvement sera un mouvement de boxe vers le haut. Donc les coudes seront collés au corps, vers le bas. Et là, on va venir pousser, bras tendus au-dessus de la tête. En alternance. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. 45 secondes de travail. On pousse bras tendus au-dessus de la tête. On souffle bien. Pareil, on garde bien les abdos bien serrés, les fessiers bien serrés. Et on essaye de garder les épaules basses. On essaye d'avoir l'amplitude complète du bras. On arrive à la moitié. Et on souffle. On essaye d'aller chercher le plus loin possible vers le haut. Cinq secondes. Ok, très bien. On passe à l'exercice suivant, ce sera boxe sur l'avant. La même chose que boxe haute, mais vers l'avant. On va venir tendre le bras. Souffle bien. On fait contracter les épaules et c'est parti. Allez, on revient bien avec le poids au niveau de la poitrine. Hein, ne redescendez pas le bras. Les épaules bien basses, on contracte les abdos, on serre toujours les fessiers. Les pieds sont largeur des épaules. Et on souffle. On a fait la moitié. Allez, on s'accroche. Si à un moment c'est trop fatigant, vous pouvez faire une pause, baisser, puis reprendre. Il n'y a pas de souci. Si au contraire c'est trop facile, n'hésitez pas à accélérer le mouvement. Ok. On récupère. On souffle 15 secondes. Le prochain mouvement sera mouliné. D'accord? On va venir comme ceci, dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez changer à chaque fois. Allez, top, c'est parti. 45 secondes, on mouline. On essaie de garder pareil les épaules basses. On ne monte pas les épaules. On les garde bien basses. On contracte les abdos. Allez, soufflez bien. Accrochez-vous. Moi, je vais changer de sens. On a fait la moitié. Allez, allez, allez. Une petite variante. Plus vous allez éloigner les mains du corps, plus ce sera difficile. Plus vous les rapprochez, plus ce sera facile. Coude à la hauteur des épaules. Allez, allez, allez. Top. On okay, s'arrête. Relâche. On récupère 15 secondes. Prochain mouvement, ça va être celui du rameur. On va venir tendre les bras, revenir jusque la poitrine et repousser. Épaules bien basses, toujours. Et c'est parti. On souffle bien. Mettez le rythme que vous voulez. Abdos bien serrés. Allez, on contracte bien les abdos. On a fait plus de la moitié. Allez, soufflez. Pareil là aussi, si vous avez besoin de faire une pause pour les épaules, vous faites une pause, puis vous reprenez. Allez, 10 secondes, on s'accroche.
Allez, on tient, on tient. Ok, on relâche. Très bien. Super. On souffle 15 secondes. On peut même poser les poids. Décontracter un peu les épaules. Le prochain mouvement, ça sera celui de l'oiseau. D'accord? Donc on va venir comme ceci. Écarter les bras sur le côté. Et redescendre. Top, c'est parti. 45 secondes de travail. On ouvre sur les côtés. Bras tendus. Et on retient la descente également. Hein. Ne relâchez pas d'un coup. Pareil, épaules bien basses. Soufflez bien. Allez, on est à la moitié du temps. Si le mouvement de haut en bas vous fait mal, vous pouvez rester, voilà, bras tendus, en statique. 10 secondes. Allez, on tient, on essaie de ne pas lâcher. Super, allez, allez, on s'accroche. Top. Ok, très bien. On relâche. Septième exercice, on va venir simplement mettre les poids au niveau de la poitrine et venir écarter vers l'extérieur. Attention. Allez, top, c'est parti. Allez, on ouvre et on referme. On ouvre, on referme. Soufflez bien. Épaules bien basses. On fixe les abdos, on fixe les fessiers et on écarte. Les bras sans creuser le bas du dos. On a fait la moitié. Allez. Pareil, là, vous pouvez faire une pause si ça devient trop difficile. 3-4 secondes et repartir. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Top, on s'arrête. On va prendre qu'une seule haltère ou une seule bouteille d'eau pour le prochain exercice. On travaille le triceps, le muscle ici, d'accord? Bras tendus et on va venir fléchir derrière la tête. Et on tend. On fléchit et on tend. Allez, go, c'est parti. Pareil, on essaye de relever la tête, d'avoir le regard bien haut, d'avoir le coude le plus proche possible de son visage et de pousser vers le ciel. On contracte les abdos, on rentre les fesses. Allez, on a la moitié, on change de côté. Bras tendus et on fléchit derrière la tête. Si vous souhaitez faire 45 secondes d'un côté puis 45 secondes de l'autre, vous pouvez. Hein. Top, on s'arrête. Prochain exercice, petit rond, bras tendus, petit rond sur le côté. Allez, départ dans 3, 2, 1, c'est parti. Rond vers l'avant ou vers l'arrière, hein, peu importe. Soufflez bien, épaules bien basses. Contractez vos abdos. Tous les exercices qu'on vous propose, vous pouvez soit les faire 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. C'est vous qui allez doser votre effort. Idem, vous allez pouvoir avoir le temps de récup que vous souhaitez. On est à la moitié. Pardon, nous on est parti sur 45 secondes de travail, 15 secondes de repos sur chacun de nos exercices. Allez, 6 secondes. 5. Top. On s'arrête. On pose les haltères pour le dernier exercice. Le dernier exercice, ce sera pompe contre le mur. D'accord? On vient poser les mains, écartées à peu près à la largeur des épaules. Les jambes écartées également à la largeur des épaules. On s'éloigne du mur et on va venir pousser, fléchir et pousser sur les bras. Prêt? Allez, go! C'est parti! 45 secondes. Soufflez bien, gardez bien les abdos serrés, les fesses contractées. Plus vous allez vous éloigner du mur, plus ce sera difficile. Plus vous vous rapprochez, plus ce sera facile. Pas de mouvement du dos, on ne compense pas par le dos, on contracte bien ses fessiers et ses abdos. Ma largeur des épaules, pas plus haute.
Et top. On s'arrête. Très bien. Donc la séance est terminée. On a fait 10 mouvements de renforcement musculaire pour les bras. Donc on vous invite pour que cette séance dure environ 30 minutes à la répéter 2 ou 3 fois selon vos capacités et vos possibilités en mettant un temps de pause un peu plus long entre les 10 mouvements. Voilà. Bon courage à tous.